Et bien, salut à tous et bienvenue sur Troopis. Troopis qui est un nouveau jeu One Piece qu'on m'a demandé, enfin, du moins, il a l'air nouveau. On m'a demandé de le tester en commentaire. Tout le monde m'a dit, mais c'est Troopis, arrête avec tes jeux nuls comme King Piece, comme Grand Piece Online. Non, non, pas assez bien, joue à Troopis. Et donc, je vais tester ça. Donc, alors, j'avais prévu de vous lancer directement le jeu avant de commencer à filmer, mais j'ai vu qu'on pouvait avoir des perks. Déjà, j'ai vu que pour avoir une race, il fallait payer et pour avoir un spin, j'étais en mode ah, ok, c'est pas grave. Je suppose qu'on peut en gagner autrement, peut-être avec des codes ou autre chose, mais pour l'instant, j'en ai pas. Et donc, j'ai aussi des perks. Donc, j'ai spin, j'ai eu Tempest Kick augmenté. Je suppose que c'est le Rankyaku augmenté. Est-ce que ça veut dire qu'il fera plus de dégâts ou qu'il sera plus stylé? Je ne sais pas. Et j'ai eu le Haki de l'armement. Renforcé. Alors ça c'est stylé. Ça je sais pas si ça va être utile. Ça se trouve c'est nul. Mais le fait que ça me renforce mon haki, moi ça me fait kiffer. Et j'espère qu'il va y avoir un changement visuel avec. Comme ça j'aurai l'air trop cool. Alors village Fusha, d'accord. D'accord, ok. Alors voyons voir déjà. Si j'ai bien lu les commentaires, c'est ce genre de jeu où tu augmentes tes stats juste en frappant. Ou alors je me suis mélangé les pinceaux. Dans les commentaires, ce qui est très probable. Alors, oula, il y a beaucoup de skills. Alors déjà, l'interface au début dans la création de perso, je la trouvais un peu pathétique. Là, je la trouve pas si mal. Là, tout de suite, I am... Oh, du stuff. Ah là, il y a mon esprit de fan de Final Fantasy XIV qui est en train de ressortir. Ou de fan de MMO en général, d'ailleurs. Je vois Grand Fantasia bien avant, ou même à WoW. Plus maintenant, ou plus... Non, si vous savez, vous savez. Et plus maintenant, c'est... Non, non, non. Alors, skill de combat, d'accord. Hypercute... Ok, donc on a pas mal de... Oh, Soplex, ça c'est cool. Continuous Impact, ok. Donc on a des skills de coup de poing, on a des skills d'épée. Oh, pas de épée. On a des skills d'armes. Sword Style, on peut avoir Yakodori. Six Point Strike, ok. Shishisonson. Et ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, Sickle Cutter. D'accord, tu balances un mec? Ah, Cycle, c'est pas une faux. Enfin, une. Ou une. Attends, je crois que c'est une faux ou un bail comme ça. Donc, ce serait une technique de killer, sûrement. Killer dans le sens. Le personnage. Heavy Weapon, Berserk Smash, ça va. Berserk Dive. On va pas y passer toute notre vie non plus, hein, mais donc on a pas mal d'armes quand même. On a des armes spéciales. Ça va être. Payante, je suppose. Parce que généralement, l'arme de bio qui est payante dans les jeux, c'est un peu classique. Ensuite, skill de race, d'accord. De race? Ah, parce que je suis humain. Je suis humain, donc j'ai accès à Diable Jambes, d'accord. Très bien. Ok, plutôt cool. En vrai, plutôt cool. J'ai accès donc, aux techniques de Sanji. Six Style Mastery. Donc, ça, c'est. Ouais, exactement. Donc, j'aurai accès. Ouh, et visiblement, on peut le level up. Oh, oui, Mastery Level. Oh, donc je vais pouvoir maîtriser le Skywalk, je vais pouvoir maîtriser le Tekkai, ou le Metallium en français. Oui, j'ai regardé One Piece en français jusque Marineford, je crois. On peut avoir le Shigan, je crois que ça s'appelle comme ça. Peut-être, je sais plus. Le Rankaku. Le... Quoi? Instant de transmission, c'est la téléportation dans DBZ. Ok, donc on peut visiblement maîtriser le déplacement instantané. Et Paper Arts, Auto Dodge. Ah, ça me dit rien cette technique. Je m'en souviens plus. Mais c'est probablement une vraie maîtrise. Alors, True Color. Votre True Color est random. Ça te permet d'a... Ça change les couleurs de certains skills. Oui, parce que chaque personne a acquis une couleur différente, je suppose. Donc, moi j'ai orange. Donc, bof, mais ça va. Armement. Rend les parties de ton corps plus fortes, augmentant ta force. Et ton armure qui permet d'attaquer les Logia, très bien. Observation, on se doute de comment ça marche. Et acquis des rois. Acquis des rois, c'est ça en français, hein, je sais jamais. Ok, donc ce qui permet de stun uniquement. Très bien, ça n'a pas d'autre utilité à l'heure actuelle. Si vous savez, vous savez encore une fois. Donc, continuons. Stats, power, upgrade. Ah, on peut upgrade les stats. Ah d'accord, donc j'ai des points de compétence. J'essaie de comprendre, le jeu est complet. J'allais dire complexe, non, le jeu est complet, je trouve. Donc on peut augmenter la power qui augmente mes dégâts pour ceux qui n'ont pas d'armes ou qui ont un fruit du démon. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les fruits du démon aussi, j'avais complètement zappé. Vitalité, non, on se doute comment ça marche. Des armes. Alors vu que je joue déjà épée sur Grand Piece, je vais peut-être jouer power ici.
Après sur le Grand Piece par exemple, je joue épée, mais épée c'est pas le meilleur pour farm. Ça se trouve là je vais me faire douiller aussi, et genre c'est épée le meilleur pour farm et je vais prendre l'autre. Donc j'attendrai peut-être d'avoir votre avis avant d'être définitif sur ça. Ensuite bon, les flingues ça m'intéresse pas. Énergie, augmente la stamina. Ouais, ça je vais l'augmenter pas mal, j'aime pas avoir la barre de stamina. Race human spin. Je peux utiliser mes points. Ah non non, je peux pas utiliser mes points là-dedans. Je pense pas. Et là c'est mes perks. Je pense pas que je puisse utiliser mes points dedans. Ça serait bizarre. Bon, et après, non, mais il y a des trucs, fruits, démons, j'ai rien du tout. Map, ok, on a une carte intégrée, ça c'est cool. On a Water 7 qui a l'air d'être la dernière île. Ouh, et ça a l'air de suivre à peu près One Piece. Hein. Regardez, on a le village de Luffy. Ça je sais pas. Ça je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est censé être. Ensuite Orange Town, ensuite le Baratier, Arlong Park, Lockdown, et ensuite whoop, Rockstream Island, je sais plus comment ça s'appelle. Little Garden. Voilà, bon, ça on a compris. Ça c'est l'île où je suppose, oui, il rencontre Vivi, ça c'est l'endroit où il y a les deux géants, Broguy et machin Guy et Guy, tout simplement. Alabasta et Water 7, ok. Donc le jeu n'est pas. Le jeu n'est pas fini évidemment, vient de sortir. Alors du coup, testons, parce qu'on vient déjà de passer combien de temps? Quasiment 6 minutes sur juste checker un peu tout ça. Donc on va un petit peu jouer. Alors, voyons voir. Il y a une quête visiblement ici. Bonjour. Eh, c'est trop lourd pour moi, est-ce que tu peux livrer ce truc? Ouais d'accord. Oui, j'ai compris où c'était, merci. Ça suffira. Allez, on y va. Acquis 100. Et je maîtrise pas encore l'acquis. Je maîtrise rien du tout même pour l'instant. Je peux juste mettre des coups de poing. Il va falloir que je choisisse assez vite ce que je veux jouer. Et pour l'instant, on va jouer coups de poing. J'espère que. Ouh, ils sont bizarres ces rochers. Pourquoi ils sont bizarres? C'est louche. C'est louche. Pas grave. Mais ouais, du coup, je sais pas ce qui va être le meilleur sur ce jeu. En vrai, ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de me faire encore douiller comme je l'ai comme à chaque fois en fait. Alors, délivrer, halt. Halt. Ta-da-pa-pa. Tu as fini la quête, bravo! C'est super, génial! Est-ce que je peux... Il n'y a pas d'option dans ce jeu, parce que je me disais, j'ai pas de son. Il a, pardon. On va... Caméra shake, fast mode, SFX, bla bli bla bou. Je vais enlever la musique et comme ça, je pourrai augmenter le son. Voilà, ça va faire le taf. Ouais, il y a un peu de son. Aide le village et en train de se faire attaquer, va affronter 6 bandits. Ok. Et pour l'instant, ça va, le flow du jeu est bien géré. Où tu prends la première quête, ça t'emmène vers la deuxième, etc. Allez, bandits. Hop, hop. Mais c'est pas des bandits, c'est des pauvres. Je suis juste en train de tuer quelqu'un qui est pauvre. Ça se fait pas. Ce n'est pas super sympa. C'est juste un SDF. Il a pas besoin qu'on le tabasse, il a besoin qu'on l'aide. Je ne suis pas un héros. Bah, après tout, je suis un pirate. Hein. C'est vrai que maintenant que j'y pense. Est-ce que quand t'es marine, tu commences pareil? Est-ce que c'est chaud en fait? Oh, 50 XP, 50 berry. J'aime bien que ça s'affiche ici. Ça fait vraiment très MMORPG, j'aime beaucoup. Bandit à épée. Non, c'est pas vous qui m'intéressez. Vous êtes trop fort visiblement. Pourquoi tu voles? Pourquoi t'es debout alors que t'es censé être mort? Boss des bandits, il est à terre. Tout le monde est mort. Est-ce que c'est le mec de tout à l'heure qui est passé, qui a tué tout le monde? Il est déjà respawn celui-là? Pourquoi les autres ne respawnent pas? Il y a peut-être des bugs. Probablement. On dirait que c'est des bugs. Je pense qu'ils sont censés respawn, mais ce n'est pas le cas. Hop, hop, hop. On le bolosse. Comment j'apprends des skills? Skill de combat, ça me coûterait 10 000 berries. Et je pourrais, et avec 10 power, je peux la prendre. Rising Percut, Ground Smash, voilà, oh là, là, là. Les premiers skills, du coup, ce serait à 10. Et skill d'arme, par exemple. 40 en melee weapon, et il me faut évidemment une épée. Ok, donc le plus simple pour l'instant, c'est de prendre des combats. Et si je prends Black Leg, il faut faire une quête pour avoir Black Leg. D'accord. Ok, et comment on fait... Ça, on me le montre pas, comment avoir les... Comment avoir les attaques du CP9. Dommage. Très très dommage. C'est pas que les attaques du CP9, Yakum. Oui, merci, j'ai lu les scans. Hein. Je suis à la fin des scans, vous inquiétez pas pour ça. Actuellement, je suis, pour ceux qui voient cette vidéo dans le futur, actuellement dans les scans, on en est... Je pense pas qu'on soit sur la fin de Wano à l'heure actuelle. Mais disons que la bataille de Nigashima est bien, bien entamée. Je suppose que c'est pas un spoil hein, dans l'anime, je crois que vous en êtes aussi là. Hein. Je crois qu'ils ont commencé la bataille. On n'est pas si loin de l'anime en réalité. Après, est-ce que Onigashima est la fin? Personnellement, je pense pas. À mon avis, c'est pas maintenant qu'on va finir.
Après, peut-être que si, peut-être que totalement. Pour moi, les deux sont possibles. En vrai, pour moi, les deux sont probables. On verra bien. Nous verrons bien. Ou alors, ça se trouve, ils vont nous faire un truc à la Water 7, ou genre, ce sera la fin, mais après ça, c'est quoi, comme Water 7, où à la fin, t'as Garp et tout, ça se trouve, il va y avoir le même bail. Ou comme Dressrosa, où à la fin, t'as tout le moment avec Fujitora qui s'incline, etc. C'est un grand moment, ça aussi. Alors que ça se passe après le vrai combat, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que là, j'en suis probablement sur la fin d'Onigashima. Très probablement. Actuellement, je pense que tout le monde a à peu près ses combats fixes. On est sur... Généralement, vous voyez, dans un arc classique de One Piece, tu termines par les combats Sanji, Luffy, Zoro, en général, parce que c'est les plus hype. J'en suis au combat Zoro. Donc, j'en suis probablement vers la fin, quoi. Hop, 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 hop. Du coup, tout va bien. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que c'est. Et en plus de ça, One Piece est mon manga préféré, donc s'il vous plaît. S'il vous plaît, bitch, please. Alors, quête complète. Ok, ok, ok. Et je suis niveau combien en fait? Excusez-moi, je... Quoi? J'ai gagné des stats partout. Et j'ai 4 skill points que je peux répartir où je veux. Mais j'ai gagné de tout. C'est cool. Ça veut dire qu'en théorie, j'ai pas besoin de mettre mes points tout de suite. Je peux juste attendre de savoir ce qui est le meilleur. Ça, c'est pas mal. Alors, tu me proposes quoi, toi? Le village est en train de se faire attaquer, va tuer 10 bandits avec une épée. Sans problème. Attends, tu me vendrais pas une épée, toi, par hasard? Tu as déjà une quête. Ah, c'est sûrement la quête de boss, du coup. À tous les coups, dans le village, il y avait quelqu'un qui allait me vendre une épée, et je les skip comme un vieux débile. Je suis trop fort. Comment on bloque? Ok, c'est E. Je m'attendais à ce que ce soit F. Ouh, des animations. C'est pas des animations du niveau de... Aïe. C'est pas les animations du niveau de Grand Peace Online. Mais en même temps, je m'attends pas à ce que n'importe quel jeu ait les... Stop. Genre, je m'attends pas à ce que... Quoi que ce soit comme jeu batte les animations de Grand Peace. Ils sont quand même vachement cool. Mais elles restent pas trop deg. Je sais plus à quoi ressemblait celle de King Peace. Celle de Blox Peace est à peu près équivalente, je dirais, en vrai. À celle-là, je sais pas. Après, j'en suis qu'au début, donc compliqué à dire. Est-ce que je vais réussir à le battre, celui-là? Ou quoi? Il me frappe à distance? Hop, 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 hop! Bloc. Ouh, ah! Arrête, arrête, stop! Bolos! Bolos! Pourquoi j'entends Dieu? C'est moi, c'est Dieu! T'es un sale bolos! Ah, bonjour! Je t'ai ressuscité, est-ce que tu fais honte là? Tu peux pas crever comme ça. Alors là, il y a un shop. Je suppose qu'il y a un katana peut-être. J'ai combien d'argent? Où est-ce que je. Que dans l'inventaire, je peux voir ça? 1900 berry. Ouh, l'interface, non, en fait, je disais qu'elle était bien, mais le. Regardez comment c'est écrit tout petit. C'est ridicule. Je suppose que je peux voir ça ailleurs quand même, non? Oh, il y a un seul marine. C'est bien ce que je pensais. Mais je me suis déjà fait douiller sur les jeux de ce genre. À chaque fois, j'aime bien prendre marine parce que personne joue marine. Et à chaque fois, évidemment, bah, les développeurs priorisent plutôt les pirates, quoi. Donc je me fais douiller tout le temps. Donc là non, je joue pirate. Est-ce que tu veux regarder mon shop? Ouais. Katana à 4000. Oh non. Quel dommage. Je n'ai pas l'argent. Et toi c'est quoi? Des gemmes. Reset stat de points. 20 gemmes. Fruit du démon random niveau 100. 300 gemmes. Enlever son fruit. 20 gemmes. Et des gemmes. Des gemmes. C'est pas des Robux, c'est des gemmes. J'aime beaucoup. Mais attendez, en vrai, c'est intéressant. Parce que... Bon, alors ça peut être deux choses. Soit, c'est qu'on peut acheter des gemmes avec des Robux. Mais, comme on le voit, là, actuellement, on peut acheter déjà un fruit du démon avec des Robux. Je pense que les gemmes, c'est un bail comme dans... Je crois que c'était King Peace qui faisait ça. Où t'avais un système de gemmes, t'avais un système de gemmes, tu pouvais être gêné. T'avais un système de gemmes quand tu faisais des raids. Je pense que là, ça doit être un bail équivalent. Ou peut-être que, je sais pas, ou c'est un drop rare, les gemmes sur certains ennemis, je sais pas. Mais c'est probablement quelque chose qu'on peut obtenir en jeu. Et du coup, on peut acheter un fruit du démon. On peut faire pas mal de trucs, on dirait, ça a l'air cool. Je me demande comment on chope de fruit du démon, sinon. Et est-ce que c'est comme beaucoup de jeux One Piece Roblox qui mettent un fruit du démon en dessous d'un arbre toutes les 3 heures? Bon, j'espère pas, parce que je suis pas très très fan de ce système.
Après, j'aime pas ce système quand il y a que ça, mais ça se trouve, je regarde sur la page. Ça se trouve, il y a autre chose. Alors, les fruits spawnent toutes les heures et despawnent après 30 minutes. Ça va, en vrai, ça va. Toutes les heures et despawnent après 30 minutes, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas horrible. Les boss spawn toutes les 3 minutes, ça c'est très cool. 3 minutes pour un boss qui spawn, c'est pas énorme. Les crews, c'est un système de groupe. Et les joueurs premium gagnent 5 gemmes par heure. D'accord. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ça a l'air cool. Ouh, attendez, je peux dash. Ça valait le coup de lire la page du jeu. Faut tout le temps la lire. Je sais pas pourquoi je la lis jamais. Alors. À chaque fois, j'ai juste envie de tester le jeu. Je suis trop curieux. Et je lis pas. Hop, 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 hop. En fait, je peux les faire, les bandits. Faut juste que je joue pas comme un débile et puis ça passe tout seul. Allez, viens. Nickel, nickel, nickel. Ça me coûte de l'endurance de frapper. Bizarre. Pourquoi j'avais de l'endurance en moi? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être parce que j'avais dashé tout à l'heure. Probablement. J'étais sûrement encore en train de régène. Allez, viens là, toi. Hop, 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 hop. Je suis un débutant, mais en vrai, pour un débutant, je mets des bons dégâts. Mais du coup, c'est cool. En vrai, les fruits qui prennent une demi-heure à respawn et tout, c'est tellement mieux que Grand Peace déjà. Grand Peace Online, pour trouver un fruit, il faut vraiment une chasse stratosphérique ou alors faut acheter le Game Pass ultra cher pour savoir quand un fruit a spawn. C'est infâme. C'est infâme. Là encore, ça va. Parce que ça veut dire que toutes les demi-heures, t'es sûr qu'il y a un fruit qui a spawn, quoi. Enfin, pas réellement à 100%, mais t'as plutôt de bonnes chances d'en trouver, je pense. Alors bon, quête finie, je suis niveau 9, combien d'argent? 3500, presque assez pour acheter une épée. Et au niveau des stats, je peux presque acheter un skill de combat sinon. Ah mais non, c'est 10 000. C'est malheureusement 10 000 back to skills. Alors je suis curieux, c'est quoi toi? Le boss des bandits, ouais mais il est mort, il est bugué. 10 bandits, le boss des bandits, oui mais il est mort. Je suis dans la sauce, je peux pas le tuer. Ok, on va tenter. Mais quoi que c'est quoi cette quête là-bas? Casse-toi toi. Casse-toi, je m'en fous en fait. Qui est ce mec? Il me donne quoi comme quête? Parce que ouais, c'est intéressant de tuer des bandits, mais je suis niveau 9, donc j'ai quasiment le niveau pour me barrer. Alors, tu proposes quoi? J'ai un job pour toi. Ok, je dois aller livrer ces trucs. Oui, oui, bien sûr, je me débrouille, t'inquiète. Oula, c'est loin! C'est loin, pas de problème. C'est probablement dans les montagnes, là où il y a les bandits, là où Luffy, Ace et Sabo s'entraînent. Quand ils sont jeunes. Donc on va tenter. Alors. Ok, donc là il y en a visiblement un qui va être délivré là et l'autre en haut. Quel serait le plus smart à faire? On va peut-être faire celui en haut parce que ça m'intrigue là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un donjon. C'est vraiment un MMO. Ouh, attendez, je peux double jump. Comment j'ai fait? Encore. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore. Oh, yes. Oh, Sanji. Oh, Black Leg. Mais oui, Black Leg. Déjà, à la première île. Alors, ça me fait très plaisir. J'apprécie. Voilà, c'est délivré. Je reviens, Sanji. De quoi? Regardez. 5 fois. Je l'ai donné. Bon, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Je peux donner le même colis 5 fois de suite. Le jeu a quelques bugs. Mais pour l'instant, pas trop mal. Pas trop mal. Pas trop nul. Ok, 2000 d'XP et 1000 berries. Je peux acheter une épée si j'ai envie, mais là j'ai vu le Black Lag et j'ai très envie d'essayer de le prendre. Cave Explorer, il pourrait y avoir un trésor, va tuer 6 zombies et des squelettes, et le boss des squelettes, c'est vraiment un donjon. Alors déjà, premièrement, c'est déjà un donjon. Deuxièmement, des zombies. On est dans One Piece ou on est dans quel manga il y a des zombies? Très bonne question. Je ne sais pas. Pourquoi Sanji est... T'es très bronzé, frérot, faut peut-être sortir du soleil. Fais 20 doubles sauts et bat 10 bandits. Tranquille. Mais je te fais ça, mais quand tu veux, regarde. Ok, bon, je sais faire qu'un seul double saut. Ah, tu attendras, Sanji. Je suis un peu con. Je sais pas comment je fais les doubles sauts. Je dois avoir un cooldown assez gigantesque. Okay, 20 doubles sauts et 10 bandits, mais je peux faire ça. Est-ce que j'aurai le temps dans la vidéo? Non, malheureusement, je n'ai plus le temps. Quel dommage. C'est dommage. Mais bon, le jeu est... Après là j'ai joué 20 minutes hein, donc c'est compliqué de savoir si c'est insane ou si c'est pas ouf. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Après vu qu'en ce moment je joue déjà pas mal à Grand Peace, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour y jouer. Mais du coup dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Pour ceux qui auraient aussi peut-être plus joué que moi.
Si jamais le jeu est vraiment vraiment bien, si vous me dites bien en commentaire que le jeu est insane, eh bien j'en ferai plus, j'essaierai d'y jouer un peu plus. Après je sais pas, voilà, il faut que j'ai l'avis de gens qui ont plus joué que moi. Parce que là pour l'instant c'est un peu compliqué de se faire un avis en ayant joué aussi peu de temps. Mais même si pour l'instant je trouve ça pas mal du tout. Pourquoi? Ah mais je suis pas les bons bandits, je suis un débile. Je suis en train de mal faire la quête. Je suis vraiment con. Bon c'est pas, je vais juste tuer ce mec là et on va pouvoir s'arrêter. Allez va-t'en. Voilà, nickel, il est mort. Ok, voilà, mais du coup dites-moi ça, et si pareil, ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge, voilà, les pouces rouges ne servent plus à rien maintenant sur YouTube. Merci YouTube pour cet ajout de qualité nulle, ah, c'est nul. Le bouton pouce rouge fait plus rien, donc je vous ferai une vidéo qui parle que de ça si vous voulez. Infâme, pire ajout, voilà, je le dis, c'est de la merde. Bref, sur ce, moi je vous dis à plus, et à la prochaine. Allez, zou!